Dans cette vidéo psycho, j'aimerais vous parler du burn-out et plus précisément dans ce volet de l'épuisement professionnel. Alors qu'est-ce que c'est ? Le burn-out, c'est un mot anglais du verbe to burn out, littéralement brûler à l'extérieur, qui signifie saturation, épuisement. Le nom burn-out peut désigner le burn-out au travail, donc dans cette vidéo, que nous allons aborder dans cette vidéo, et le burn-out parental. Alors quels sont les symptômes du burn-out professionnel ? Tout d'abord, une démotivation constante par rapport au travail, de l'irritabilité marquée, des colères spontanées, des pleurs fréquents, une attitude cynique et un sentiment de frustration, le sentiment d'être incompétent, le goût de s'isoler, un sentiment d'échec, une baisse de confiance en soi, de l'anxiété, de l'inquiétude et de l'insécurité, une difficulté à se concentrer, des pertes de mémoire à court terme, de la difficulté d'exercer un bon jugement, de l'indécision, de la confusion, des pensées suicidaires dans les cas les plus graves. Et physiquement, quels sont les symptômes ? Alors les symptômes physiques sont de la fatigue persistante, parfois des douleurs selon les fragilités individuelles, des maux de dos, des douleurs musculaires, des migraines, etc. Des problèmes digestifs, des ulcères d'estomac, un sommeil perturbé, des problèmes cutanés, une perte ou un gain de poids, des infections plus fréquentes comme le rhume, la grippe, les otites, la sinusite, etc. Donc ces symptômes rejoignent tout à fait le syndrome de fatigue chronique. Ensuite, après les symptômes, nous allons voir quelles sont les personnes à risque et les facteurs de risque. Alors, les personnes à risque. Selon les psychologues, personne n'est à l'abri de l'épuisement professionnel. Les hommes et les femmes en sont touchés en proportion presque égale. Quoique les mamans qui font des doubles voire triples journées avec la famille, le travail et les amis, je pense qu'elles sont un petit peu plus touchées quand même. De plus, aucune catégorie d'âge, selon les spécialistes, n'a été définie comme étant plus à risque. Mais quand même, ce sont ceux qui travaillent qui sont à risque, dont on va dire de 18 à 62 ans. Quels sont les facteurs de risque principaux ? Alors, certaines situations, attitudes ou caractéristiques individuelles peuvent dans un contexte de travail stressant contribuer à l'épuisement professionnel. Par exemple, un manque d'estime de soi, avoir de la difficulté à poser des limites dans un contexte de surcharge de travail, avoir des attentes élevées envers soi-même, les responsabilités à l'extérieur du travail, prendre soin des enfants, des parents ou d'un proche dans le besoin, faire de son travail le centre de sa vie, c'est aussi un risque. Faire preuve de perfectionnisme dans tous les aspects de son travail, sans égard aux priorités. Avoir une conscience professionnelle élevée. Ne pas savoir déléguer ou travailler en équipe. Et plus loin, nous allons traiter des traitements médicaux. Nous allons parler des traitements médicaux pour le burn-out professionnel. Alors, les psychologues conseillent soit l'arrêt de travail, donc il faut d'abord demander au médecin généraliste, le repos d'une façon générale et un suivi psychologique avec pourquoi pas une thérapie cognitivo-comportementale. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très vite.